Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran. Si vous vous connectez tous les jours, on va bien finir par débloquer l'XP sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'XP, genre des glitchs qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'XP en vous connectant tous les jours sur cette map. Donc merci à tous ceux qui le font, le code sera en description et en commentaire épinglé. Alors, le code de ce glitch, de cette vidéo, c'est 2, 9, 6, 2, 6, 2, 5, 5, 5, 9, 2, 5. Le code aussi sera en description, en commentaire épinglé. Donc là, vous lancez la partie en privé pour pas être dérangé par les autres joueurs. Et vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, pour me soutenir. En attendant que la map se charge. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Alors par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Alors quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur option et vous lancez le jeu. Alors quand vous êtes dans la map, vous prenez la faille. Donc ici, je vais vous présenter un petit glitch AFK qui est derrière le pistolet silencieux. Donc juste ici, hop, vous construisez deux rampes, enfin deux plats. Ensuite, normalement, il y a un petit bouton qui se trouve voilà derrière la machine. Vous cliquez dessus, ça va vous donner des XP en AFK. Donc 12 par 12. Ensuite, il y a un autre glitch d'XP en AFK. Donc là, vous faites 3 rampes. Ici, au bout à gauche, il y a un autre glitch AFK qui vous rapportera un peu plus d'XP en AFK. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre bouton, toujours au même endroit, mais sur la droite cette fois-ci, que lui va vous rapporter plus d'XP. Donc là, je suis à 64 minutes d'XP. On va voir combien ça va me rapporter. Ok, donc ça m'a rapporté plus ou moins 7000 XP. Alors ensuite, ici, quand vous êtes sur les rampes, enfin en plein milieu, vous allez sur la rampe, vous construisez vers le spawn. Vous construisez 3 rampes, 1, 2, 3 rampes, ensuite 4 plats sur la gauche, 1, 2, 3, 4, encore 3 plats sur la gauche, 1, 2, 3, 2 plats sur la droite, 1, 2, et là au bout à gauche, juste ici, il y a RNXP. Vous interagissez avec, donc là je suis à 56 000 XP. Ok, donc celui-là m'a rapporté 18 000 XP. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, vous allez prendre votre arme, vous allez tirer sur Clear et vous allez vous diriger vers la maison bleue qui est juste là-bas. Donc hop, c'est parti. Ensuite, vous allez sur le toit de la maison bleue, juste ici, vous construisez une rampe comme ceci, ensuite un plat, non je pense qu'il n'y a même pas besoin de plat, ouais non. Vous construisez une rampe juste ici, regardez, et là il y a un bouton RNXP, vous interagissez avec, et on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Ok, donc ça m'a rapporté, j'étais à 28 000, donc ça m'a rapporté 10 000, 16 000 XP. Donc voilà, plus ou moins dans cette map, avec tous les glitches que je vous ai présentés là, vous avez plus ou moins 50 000 XP à débloquer.
Donc voilà, dès que vous avez débloqué les 50 000 XP, ce que vous pouvez faire, c'est soit arrêter le jeu et recommencer le glitch pour refaire les glitches en illimité et gagner plus d'XP. Ou alors tout simplement, vous utilisez la technique secrète qui sera en description ou en commentaire épinglé, qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP avec n'importe quel glitch sur Fortnite. Donc là, j'ai gagné 50 000 XP, donc ça vous ferait 250 000 XP, ça vous fait plus ou moins 3-4 niveaux de gagner en un seul glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir... Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description si vous ne connaissez pas la technique secrète. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb